Dans l'évangile de dimanche prochain, Jésus est aux prises avec un esprit impur en plein milieu du culte synagogal. Et un homme qui est dans l'assemblée, quelqu'un qui n'est pas présenté, qu'on ne connaît pas, interpelle Jésus et Saint-Marc nous dit qu'il était possédé par un esprit mauvais que Jésus chasse. Étrange lecture pour un dimanche, non Bien sûr, les exorcismes existent. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas édulcorer. Mais c'est quand même pas un sujet de conversation ni d'enseignement aussi fréquent que l'évangélisation ou l'amour du prochain. Pourquoi cet exorcisme est-il important Qu'a-t-il de particulier que nous le recevions à méditer pour dimanche prochain Vous écoutez, il est midi un podcast proposé par la famille de saint joseph et présenté par le frère dominique joseph la petite troupe des disciples suit jésus je dis petite parce qu'ils ont été appelés il y a peu de temps ils ne sont que quatre pour le moment mais le rythme qu'impose jésus est déjà présent ils reviennent à capharnaüm et aussitôt le jour du sabbat ils se rendent à la synagogue peu importe la fatigue physique le dynamisme spirituel prime et conduit la petite troupe jusqu'au lieu de la prière. Et là, Jésus enseigne, on ne sait pas ce qu'il dit, on sait qu'il parle avec autorité. Et cette manière de parler, le ton que Jésus emploie, frappe de stupeur les quatre apôtres qui le suivent depuis peu. Ils n'écoutent pas encore vraiment ce qu'il dit, mais ils découvrent l'autorité de leur maître. Et c'est alors que l'esprit impur qui possédait une des personnes présentes dans l'assemblée se manifeste. L'exorcisme n'est pas une chasse aux sorcières. Pour débusquer l'ennemi, il suffit d'être saint. C'est lui qui se manifeste. C'est lui qui ne supporte pas la lumière de l'Esprit. C'est lui qui rejette l'autorité de Jésus-Christ. Et il s'exclame ⁇ Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?⁇ Et une parole claire, une interpellation que tout le monde a retenue. Gardons au moins de cela l'existence concrète du mal. Fuyons les discours théologiques qui présentent le mal comme une simple déficience. Le mal est efficace, disait Paul VI. C'est un être vivant, spirituel, perverti et pervertisseur. Et fuyons tout autant les discours qui ne parlent que de lui, qui ne pensent qu'à lui, notamment en ce qui concerne notre péché. Ce serait un piège terrible que de chercher à s'en dédouaner en accusant Satan. Oh, c'est Satan qui m'a conseillé, oh, c'est Satan qui m'a fait faire ça, quand il entend ce genre d'accusation sur lui ou sur n'importe lequel de ses lieutenants, l'ennemi se réjouit. Il est même bien content qu'on l'accuse. L'essentiel pour lui est que nous n'allions pas nous confesser. L'essentiel pour lui est que nous refusions la réconciliation. Le seul et unique objet de attention, c'est le salut. La preuve en est que la question concerne le salut. Es-tu venu pour nous perdre? Ainsi cet exorcisme nous est-il donné un dimanche, le jour où l'Église se rassemble, se réunit, parce que c'est une question qu'il nous faut réfléchir en Église, c'est une question qui remet sur le devant la manière dont nous regardons l'Église, dont nous nous comportons en Église. Ces gens-là ne savaient pas qui était dans leur synagogue, ils étaient sûrs d'eux, convaincus de leur justice. Et ils ignoraient qu'un esprit était dans l'assemblée. Il nous faut donc laisser Jésus prendre autorité sur chacune de nos pensées, sur notre manière de célébrer, sur toutes les structures que nous faisons fonctionner. Et ensuite, il nous faut manifester l'éclat de la sainteté qui débusque l'ennemi, qui le révolte et le met en déroute, qui le fait fuir. Or, cette sainteté s'acquiert et se développe dans la prière. Nous voulons la paix dans nos maisons, prions. Nous voulons la concorde dans nos communautés, prions. Nous voulons la protection divine sur nos enfants, prions et soyons saints. Il y a tant de bienfaits que nous pouvons faire, que nous pouvons recevoir, en laissant simplement la grâce de notre baptême porter son fruit. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.